Donc vous pourriez imaginer en fait des genres de petits drones qui seraient avec les soldats, qui identifieraient les cibles en avance. Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'intelligence artificielle dans l'armée. Alors, j'ai décomposé cette vidéo en plusieurs parties. Comme d'habitude, j'ai fait beaucoup de recherches pour être le plus pertinent, je l'espère, dans cette vidéo. Dans la première partie, on verra les mythes un peu qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Après, on verra les stratégies d'intelligence artificielle qu'il y a dans l'armée. Pour ça, je me suis coltiné un tas d'articles, un tas de rapports, justement, d'intelligence artificielle, dont je vais vous faire le résumé dans la vidéo. Ensuite, on verra les applications concrètes. C'est la partie que vous attendez tous, les applications concrètes de l'intelligence artificielle. Bah, dans le domaine militaire, et on verra ensuite une ouverture sur l'éthique et sur bah, l'avenir, le futur des applications qu'on peut entrevoir avec l'intelligence artificielle. Donc le programme de la vidéo est encore une fois chargé. Comme d'habitude, la promesse, c'est essayer de vous condenser toutes ces informations en un minimum de temps et de manière la plus simple possible. Donc on commence tout de suite. Alors le domaine militaire, c'est peut-être le domaine le plus fantasmé quand on parle d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on a toutes ces images de Matrix, on a toutes ces images de Terminator, on a toutes ces images de Star Wars, etc. où on voit des robots qui sont là pour contrecarrer l'humanité, qui sont là pour avoir une domination sur l'humain. Et d'ailleurs, dans la plupart des films de science-fiction, si on regarde bien, les méchants, bah, c'est toujours les vilains, bah, c'est toujours ceux qui manient le mieux la technologie. Par exemple, Lex Luthor dans Superman, par exemple, la plupart des méchants dans Iron Man. Même Iron Man peut être catégorisé comme un vilain, notamment dans Captain America versus Iron Man, donc notamment dans Civil War par exemple. Donc en fait, il y a toujours cette notion où en fait, limite, on essaye d'opposer la rationalité d'une machine à l'affect, au sentiment d'un humain, et du coup, dans notre imaginaire, un peu à tous, bah, la technologie, la personne qui manie au mieux la technologie, c'est souvent cette image soit de hacker, soit de robot tueur, et donc en fait, c'est le méchant, c'est le vilain, parce qu'il va s'éloigner au maximum des sentiments ou de l'affect humain. On va pas faire de la philosophie dans cette vidéo, mais le raison... Est-ce qu'il vaut mieux écouter ses raisons ou est-ce qu'il vaut mieux écouter ses sentiments? C'est un grand domaine philosophique, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, on a tous un peu ces fantasmes, encore une fois, de Terminator dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors vous commencez à connaître la chaîne, je vais pas me faire le jeu de tout le sensationnalisme qu'on pourrait créer autour de l'intelligence artificielle et de l'armée, d'accord? On va essayer de se reposer bah, sur des faits, sur des chiffres, pour avoir une vision logique de qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans l'armée aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer par voir un peu le budget militaire alloué par pays. Quand on regarde le budget militaire alloué par pays, on voit tout de suite que les États-Unis et la Chine, bah, c'est les grands patrons du monde un peu. Suivent de très près après la Russie, l'Inde, la France, la Germanie, etc. Donc j'ai récupéré toutes ces données sur le site de CIPRI. Alors au début, quand je me suis dit je vais faire cette vidéo, je me suis dit je vais prendre la Chine, la France et les USA. Alors j'ai bien réussi à prendre les USA, franchement c'est le pays où j'ai le plus facilement trouvé des données. La France, c'est vraiment hyper compliqué pour trouver des données. J'ai même envoyé un tweet, j'ai essayé d'envoyer un tweet à la ministère de, au ministre de la Défense, à Florence Parly, et pour voir si elle pouvait me répondre, parce que j'arrivais pas à trouver les budgets. Bon, bien sûr, elle m'a pas répondu, mais j'aurais quand même essayé. Bon, ceux avec qui c'est même pas possible d'essayer, c'est la Chine, il y a des estimations. Mais bon, encore une fois, rien de bien officiel du côté chinois, mais ça change pas, c'est le cas dans beaucoup de domaines. Alors, si on se concentre un peu plus sur la France et sur les États-Unis, aux États-Unis, ils ont le DARPA depuis 1958, je sais même pas d'ailleurs si on dit le ou la DARPA, mais bref, ils ont, donc c'est un programme en fait qui fait de la recherche avancée sur les domaines d'application de l'armée. Et depuis 2018, nous, bon, on a un peu 60 ans de retard, mais c'est pas grave, on a l'Agence d'innovation de la défense qui est depuis, donc comme je l'ai dit, 2018, chargée de tous ces concepts un peu d'innovation appliqués au domaine militaire. Et donc, au sein de cette agence d'innovation de la défense, il y a le CCIAD qui a été créé, justement, c'est une cellule pour l'intelligence artificielle de défense. Alors, si on jette un petit coup d'œil aux États-Unis, les États-Unis, ils ont 459 millions pour le programme DARPA pour l'intelligence artificielle, et en France, on est à 100 millions d'euros environ. J'ai pas trouvé les chiffres officiels, mais normalement, en 2018, ils ont dit qu'il allait avoir 100 millions d'euros par an injectés dans le programme. Alors, si on regarde de plus près un peu la stratégie de défense en IA, donc j'ai lu notamment la stratégie de défense en IA aux États-Unis et en France, bon, c'est à peu près similaire pour être honnête.
honnête. J'ai pas appris grand chose malheureusement sur celui de la France une fois que j'avais lu celui des États-Unis. Donc je sais pas qui a copié qui. En tout cas, je sais que les USA, ils ont émis leur stratégie en 2018 et en France, on a émis notre stratégie en 2019. Je dis ça, je dis rien. Donc la première partie d'une stratégie d'intelligence artificielle pour un pays repose sur le fait d'en profiter pour refondre un peu l'organisation, pour créer de nouvelles agences justement qui vont être spécialisées en intelligence artificielle. Le but du jeu, hein, c'est vraiment de dire que l'intelligence artificielle, c'est une ressource, d'accord ? C'est une ressource nationale et il faut la traiter comme telle, avec des gens spécialisés qui vont venir la traiter, la mettre à disposition. Donc on veut profiter de l'intelligence artificielle comme moyen pour restructurer un peu les ministères de défense. Après, le deuxième gros pilier, hein, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, vous me direz, c'est les ressources humaines. Aujourd'hui, il y a un manque énorme de talents en intelligence artificielle dans les ministères de défense. Et on va voir après pourquoi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande ambition de dire on veut attirer des talents dans les ministères de défense vis-à-vis de l'intelligence artificielle. La France compte recruter 50 experts en intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie de l'innovation en intelligence artificielle, c'est pas uniquement le CCI IAD, c'est compliqué à dire, ou l'Agence d'innovation de défense, c'est aussi beaucoup la DGA, donc qui est la Direction Générale de l'Armement, où il y a beaucoup d'experts en intelligence artificielle là-bas aussi. Donc voilà, il y a un vrai défi pour les ministères de recruter des talents et surtout de les garder, ces talents en intelligence artificielle, surtout quand on sait que le marché de l'emploi manque de personnes compétentes en intelligence artificielle. Je dis beaucoup de fois le mot intelligence artificielle, je trouve. Hein. Mais bon, en même temps, c'est une vidéo sur l'intelligence artificielle, donc. Mais promis, je vais faire un effort. Alors le troisième gros pilier d'une stratégie en intelligence artificielle, d'une stratégie en IA, c'est de faire des partenariats stratégiques, aussi bien avec le monde civil qu'avec des entreprises, qu'avec des communautés open source, etc. Et ça, c'est plutôt marrant, parce qu'en fait, durant longtemps, on disait l'armée a toujours 5 ans d'avance sur le domaine civil, et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu à la traîne, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette talents d'IA qui veulent pas aller travailler pour l'armée en fait finalement. Par exemple Google, il y a des employés de chez Google, 3100 employés de chez Google ont signé une lettre ouverte au CEO de Google pour dire qu'ils veulent pas du business de guerre chez Google. Donc en fait il y avait ce fameux projet Maven qui a été avorté, en fait c'est le Pentagone qui avait demandé à Google d'utiliser ses ressources, notamment TensorFlow etc. pour analyser des images de drones et pour mieux en fait finalement tirer sur des cibles ou bref pour mieux faire du repérage. Et ils avaient notamment demandé à Google de mettre les derniers algorithmes state of the art à disposition du Pentagone, etc. En échange, bien sûr, de billets, comme vous pouvez imaginer. Et tous ces employés de Google ont dit non, stop. À tel point que Google s'est retiré de la course à un contrat de 10 milliards d'euros, le programme Jedi. Ah oui, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, les militaires, ils kiffent les acronymes et les acronymes marrants, d'accord ? Et donc, ils sont retirés du contrat de 10 milliards d'euros du programme Jedi juste parce que, en fait, ils voulaient pas que Google soit dans ce business de la guerre. Donc ceux qui sont restés en cours, c'est Amazon et ça a été décroché par Microsoft. Donc on voit qu'il y a différentes cultures dans les entreprises. Il y en a qui sont OK pour aller faire la guerre, super. Bon, pour le coup, je suis beaucoup plus du côté de Google, comme vous pouvez l'imaginer. Je vous mettrai la lettre ouverte en commentaire. Vous allez voir, vous pouvez la lire, c'est hyper intéressant. Notamment, ce qu'ils disent, c'est que en fait, ça va entacher l'image de Google et ça va entacher l'image de Google en tant qu'employé. Et en fait, on ne pourra plus ramener les meilleurs du monde, entre guillemets, chez Google parce qu'on aura, on sera dans ce business de la guerre. Et là, on voit pourquoi en fait l'armée a tant de mal à recruter des personnes douées en intelligence artificielle. C'est parce qu'en fait, globalement, moi, vous me dites va construire un truc pour, je sais pas, un petit programme, on sait pas ce qu'il va faire, mais je sais qu'il va être utilisé peut-être dans un drone pour aller tuer des gens, enfin je vais pas le faire. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a une totale différence de mentalité entre les militaires et le monde, je vais dire open source, le monde civil, le monde ouvert, qui prône un peu la liberté, la paix universelle, et qui prône un peu le fait que de semer le savoir partout, et l'armée qui est là globalement pour défendre des intérêts stratégiques. Donc il y a un vrai problème de mixité entre ces deux mondes, donc c'est pas étonnant que Google ait dit, enfin que les employés de chez Google notamment, et bravo à eux, aient mis un tollé et un gros stop à ça. Après, le quatrième pilier stratégique en intelligence artificielle dans le domaine militaire, c'est un peu un pilier universel, c'est le fait d'avoir des IA utiles, c'est le fait d'avoir des IA robustes, c'est le fait d'avoir des IA maintenables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un équipement militaire, c'est environ 50 ans de durée de vie. Et aujourd'hui, typiquement, moi, je développe un algorithme d'intelligence artificielle, je sais que, je sais pas, dans 2 mois ou même peut-être dans 2 semaines, eh ben, il sera peut-être dépassé par les méthodes qui seront nouvelles. Donc là, il y a un vrai défi sur les systèmes. Il y a aussi un
immense défi, bien sûr, d'avoir des systèmes qui sont efficaces. Par exemple, aujourd'hui, pouvoir duper un algorithme de reconnaissance d'image, c'est hyper facile, notamment avec ce qu'on appelle des adversarial techniques. Il suffit de modifier, d'ajouter un petit bruit et un panda peut être pris pour un gibbon. Sinon, il suffit de mettre un petit autocollant sur un scene stop et il verra pas le scene stop. Ou sinon il suffit de mettre quelque chose et on verra pas une personne. Donc en fait c'est hyper facile à duper et en fait pour l'instant on n'est pas en capacité d'avoir des intelligences artificielles hyper développées dans le domaine militaire. Mais d'ailleurs on va voir tout de suite les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, qui sont un peu pour le coup le cinquième pilier d'une stratégie en intelligence artificielle. C'est bien beau de faire des plans, mais après il faut les appliquer. Comme je l'ai déjà dit, l'intelligence artificielle, c'est là pour modifier aussi la façon dont vont travailler les gens dans les ministères. Donc tout ça, c'est tout ce qui peut être automatisation, c'est tout ce qui peut être lecture, chatbot, etc. Donc on va passer un peu sur cette partie d'application, on va aller sur des trucs un peu plus cool. Alors quand on parle d'IA dans l'armée, on pense tout de suite aux images des fameux robots de Boston Dynamics. Vous savez, c'est des chiens qui marchent et on a l'impression que c'est des chiens un peu issus de la série Black Mirror. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiens... sont utilisés, ont déjà été utilisés, notamment par exemple avec la police du Massachusetts qui a fait une perquisition à l'aide de ces chiens. Il y a aussi par exemple des expérimentations en Singapour pour les faire rôder dans la ville et rappeler aux gens de maintenir une distance de sécurité. Mais ce qu'il faut savoir sur ces robots de Boston Dynamics, il y a aussi notamment le robot Atlas, vous avez dû le voir, qui saute, qui etc etc, on a l'impression qu'il va venir tous nous tuer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces robots sont télécommandés. Il n'y a strictement aucune intelligence artificielle dans ces robots. C'est exactement comme les robots Sophia, d'accord ? C'est exactement comme tous ces robots un peu, je vais dire, putaclic, où le but du jeu, c'est juste de faire des vues, etc., etc. Et dans ces robots, il n'y a strictement aucune intelligence, d'accord ? C'est vraiment des robots télécommandés et on est loin, loin, loin encore de pouvoir mettre des cerveaux, on va dire, automatisés dans ces robots. Et ça, c'est extrêmement important à dire. Le but de ces entreprises, en fait, c'est de faire parler d'elles et de pouvoir récolter des sous en disant « Vous avez vu, on parle de nous partout et donc donnez-nous encore plus de sous. » Alors, je ne remets pas en cause les progrès dans la robotique, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire tout ça, mais pour l'instant, on est loin, au niveau logiciel, de pouvoir intégrer une intelligence dans ces machines. Et notamment, peut-être que l'intelligence, elle viendra pas des robots en elle-même, mais elle viendra justement d'une intelligence à pouvoir communiquer avec la machine. Il y a notamment un programme qui s'appelle le Man-Machine Teaming, qui est mené par la DGA avec Dassault et Thales. Le but, en fait, c'est de faire des avions, je vais dire semi-autonomes pour faire un raccourci, mais le but, c'est de faire des avions dotés d'un système cognitif, d'accord, pour venir communiquer plus facilement avec le pilote, etc. Alors, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est des alliés, en fait, aux soldats, donc des robots qui seraient sous les ordres, en fait, des soldats en opération, et typiquement, on pourrait avoir aussi des équipements qui seraient connectés aux soldats, c'est-à-dire des petits équipements d'intelligence artificielle. Par exemple, on peut imaginer une lunette où il y aurait de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance visuelle ou de la reconnaissance d'image qui viendrait aider justement les soldats à identifier des cibles sur le terrain. Et au final, peut-être que la vraie force de l'intelligence artificielle dans l'armée, ça serait de faire un peu comme Iron Man, c'est-à-dire d'avoir une intelligence artificielle dans sa tête, dans son casque, qui l'aiderait, qui le guiderait et qui lui donnerait toutes les informations dont il a besoin au moment adéquat. Alors, et un des grands fantasmes, c'est ces robots autonomes, ces robots tueurs, d'accord, qui seraient... qui aurait la capacité de tuer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça a déjà été le cas, malheureusement, en 2016, malheureusement ou heureusement, parce qu'ils ont tué quelqu'un qui n'était pas gentil. Mais en 2016, la police de Dallas a utilisé un robot qu'ils avaient sous la main. Donc c'était un robot de déminage, si je ne dis pas de bêtises. Et ils l'ont utilisé pour tuer un assaillant. Donc ça a été le premier cas de robot tueur. Et on voit énormément de prototypes de robots autonomes se développer, donc aussi bien des robots de terrain que des drones, d'accord, comme on peut l'imaginer. Donc vous pourriez imaginer en fait des genres de petits drones qui seraient avec les soldats, qui identifieraient les cibles en avance, qui reporteraient les résultats aux soldats de manière intelligente, de manière automatique, des robots tout terrain qui pourraient mener des actions
sur de, je sais pas, des actions de reconnaissance par exemple, ou même des actions d'attaque de manière totalement autonome dans des zones où il n'y a pas forcément de réseau, dans des zones reculées, dans des zones où on ne peut pas être à 50 mètres du robot pour pouvoir le télécommander. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours de développement. Alors, il y a une des plus grosses applications qui est la plus dangereuse pour moi, c'est l'espionnage de masse. Sous couvert de sécurité, on pourrait espionner de manière massive tout un tas d'individus, comme c'est déjà le cas par exemple en Chine, finalement, comme c'est le cas dans plusieurs pays, et ça pour moi c'est l'application la plus dangereuse. Et malheureusement, c'est l'application qui est le plus à même de nous pendronner finalement dans les prochaines années, voire dans les mois qui viennent. Il y a notamment dans cette optique, il y a notamment en France, on a une plateforme qui va s'appeler la plateforme Artemis, donc c'est une plateforme pour l'armée qui va s'appeler la plateforme Artemis, qui aura pour but en fait d'être une plateforme big data, de pouvoir traiter des grandes quantités d'informations, des grandes quantités de données, de pouvoir les mettre à disposition, etc. Et je pense que quand on commence à arriver dans le big data au niveau de la défense, au niveau militaire, ça peut très rapidement devenir dangereux. Alors, et la grande question, bien sûr, c'est est-ce qu'au final, il faut utiliser l'intelligence artificielle dans l'armée? Un peu comme on interdit les armes chimiques, est-ce qu'on ne devrait pas interdire les armes à base d'intelligence artificielle dans l'armée? Il y a un gros mouvement dans la communauté de l'intelligence artificielle pour dire, ok, on va boycotter toutes les applications de l'intelligence artificielle dans l'armée, et il n'y aura aucune arme qui sera créée grâce à nos technologies. Alors, c'est un peu une vision très naïf de croire ça, parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui accepteront d'être suffisamment bien payés pour faire des solutions d'intelligence artificielle appliquées au domaine militaire. Donc je pense qu'au contraire, il faut pas se voiler la face sur ça, mais en fait le problème c'est que la plupart du temps, c'est dominé par le fantasme des robots tueurs, même si on est encore loin. En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on veut de l'intelligence artificielle comme système par exemple de surveillance. On pense notamment à Prism de la NSA en 2007. Est-ce qu'on veut un système qui serait capable de nous surveiller et sous couvert de notre sécurité de récolter un tas de données sur nous et de tout analyser? Typiquement, des États pourraient s'en servir pour empêcher des insurrections dans leur pays, pour empêcher des manifestations dans leur pays. Et ça, je pense pas que c'est un degré de liberté qu'on veut perdre. En fait, le fait d'être libre, de faire un peu ce qu'on veut et de pas se faire fliquer constamment par une IA, quoi. Encore une fois, aujourd'hui, il suffit de dire aux gens, bah, c'est pour votre sécurité, et on peut leur faire avaler un peu ce qu'on veut. Et ça, il faut prendre conscience de ça. Il y a beaucoup de gouvernements qui jouent que sur ça. Donc voilà, il faut considérer l'intelligence artificielle loin des mythes, des films qu'on peut l'imaginer dans l'armée. Il faut considérer l'intelligence artificielle comme une ressource nationale pour n'importe quel pays. Alors il y a de nombreuses applications concrètes, mais encore une fois, ça nécessite tout un tas de contrôle et de faire bien attention à ce qu'on fait. Et vraiment, ce qui est le plus marrant, c'est qu'on constate que les militaires demandent aux civils maintenant de la science, et ça c'est le plus marrant, je trouve, dans ce grand contexte qui est l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire. J'essaierai dans une prochaine vidéo, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, d'aller un peu plus profondément dans les techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées, et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, dans une prochaine vidéo, et portez-vous bien, salut.